Vous, Lorenzo de Medici, qui vous êtes autoproclamé prince de Florence? Vous déraisonnez. Évidemment. Vous êtes innocent. C'est un peu trop facile. Enfin, cela nous aura au moins montré que votre pouvoir est tout à fait négligeable, si tant est que ce pouvoir existe. C'est un constat riche d'enseignements pour moi, comme pour mes alliés. Oui, vos alliés les Pazzi. Car c'est bien d'eux qu'il s'agit. Je vous conseille de surveiller vos paroles, Lorenzo. Vous devriez éviter d'attirer l'attention sur vous. Attendez, je rêve! C'est pas possible! C'est du code informatique! Je vais le recompiler. Ah, oh, bon sang, le fichier est crypté! Envoie-le sur mon ordinateur, je vais le décrypter. Ah, oh, je voudrais bien, mais il n'est compatible qu'avec l'Animus. Alors envoie-le à Desmond! Je n'arrive pas à le croire! Bonjour. Je suis... Il m'appelle le sujet 16. Écoutez-moi bien, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a quelque chose que je dois absolument vous montrer. Depuis le début, nous vivons dans l'illusion. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris, tout est faux. Je peux prouver ce que j'avance. Tout est dans un fichier que j'ai transféré. Mais je l'ai découpé en 20 segments. Et chaque segment est verrouillé par un code. On n'est jamais trop prudent. Isabelle... Non, non. La reine Isabelle. C'était en... Oh. On est en quelle année déjà? Oh, peu importe. J'ai caché le code du premier segment dans ce programme. Trouvez-le. Trouvez les autres. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait dans l'Animus? Je sais. La mémoire centrale d'Absurgo. On a transféré les données du sujet 16 dans l'Animus 2.0. Il a dû s'introduire dans le système quand Vidic l'a laissé seul entre deux sessions. Attendez une minute. Alors les symboles sur les murs d'Absurgo, ceux qui ont été écrits avec du sang, c'était des indices. Ils voulaient qu'on les cherche à l'intérieur de l'Animus. Thank you.
Mes respects, Gontaloniere. Mes respects aussi. J'espère que vous passez une bonne soirée. Tout à fait. Après l'affaire à Auditore, un peu de distraction est la bienvenue. Et moi qui considérais Giovanni comme mon propre frère. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous ne pouviez pas savoir ce qu'il manigançait. Le nom de ce traître ne doit plus figurer nulle part. Il faut oublier jusqu'à son existence. Ouais, je vais. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Uberto, est-ce que vous auriez un moment? Pour vous, toujours, Beatrice. Toi? Tiens! Tu aurais fait la même chose pour protéger ce que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les Auditore ne sont pas morts! Je suis toujours là! Moi! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Tu ne peux pas fuir! Accepte-le et rends-toi! Si seulement tu vas... Vas-y, Stranzo, essaie! Yeah, arrêtez-le! Allez, plus vite! Il va nous échapper! Dispersez-vous et trouvez-le! Il est habile! Merde! Il est habile! Merde! No.